Et yo tout le monde, c'est Chitou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Path of Débutant. Aujourd'hui, on va attaquer un épisode qui est spécial par rapport aux épisodes précédents, qui est l'achat du stuff. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire directement, hein, ce stuff-là suffit pour commencer le mapping, etc. Mais on va faire pour 100 KO un achat d'un stuff qui est très très bien. Généralement, pour 100 KO, si vous maîtrisez bien la chose, vous avez de quoi faire au moins des maps jusqu'au tier 14. Et merci beaucoup, Atroce, pour ton sub-gift à Snowblood. Et bonjour à tous ceux qui sont présents également. Bon, Atroce, Windernet, Kozoix, Plouf, Dems, Le Zig, Nizmu, Welby et Polozor. Et, ouais, je pense que j'ai dit bonjour à tout le monde. Ok, alors, commençons par le commencement. On va commencer du coup par une des pièces qui va coûter le plus cher pour nous, ça sera certainement notre torse. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher ici. Donc je vais sur le site pathofexil.com/trade. Donc pour la version PS4 et console, ça vous n'allez pas pouvoir faire comme nous. Au moins vous saurez les stats que je vais rechercher sur chaque pièce d'équipement, mais vous allez, ça ne sera pas aussi simple que moi. Hop, on met le body armor, tout simplement. On va mettre un poil d'évasion, au moins un. Évasion. Et ensuite, on va juste regarder les torses évasion 6 Link. Est-ce qu'il y en a? Il y en a, mais pas mal de corrompus. Je vais juste regarder déjà, est-ce qu'il y a des torses non corrompus qui coûtent pas cher? Corrupted, no. Ça coûte pas trop cher. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, c'est par exemple prendre ce genre de torse et mettre des essences dessus. Ou mettre des fossiles dessus pour essayer de les crafter. Alors on va déjà regarder s'il existe des torses avec genre de la vie. Au moins, total maximum life. J'ai juste marqué life ici. Total maximum life. Ça cumule la vie et la force. Avec un maximum de résistance élémentaire. Tout en bas, on va se fixer au maximum 20 KO. Parce qu'on veut pas trop mettre d'objets. Si on dépense tout déjà dans le torse, on pourra plus. Ok. Et là, on va trier par résistance élémentaire. Donc, on a quoi? Donc là, c'est 20 KO. On est à la limite de notre torse. Donc, ça fait un peu beaucoup. Ici, on a 15 KO. On a 101 points de vie. Et on a des bonnes résistances élémentaires pour 15 KO. Et là, il y avait 10 KO. Ah! 103 points de vie, 101 points de vie. C'est un pur évasion. Ah, ici, c'est un pur évasion. Donc, on va prendre le pur évasion. Et il est très très bien. Elle est 10 KO. On va tenter. Est-ce qu'il est en ligne? Donc, on appuie sur Whisper. Il est pas corrompu. On est bon. C'est un full évasion, pas corrompu. Ok, parfait. Not online. Ah, sérieux? Attends, on va réessayer. Non! Il était tellement beau. Bon. Ah, c'est vrai ce que tu dis. Il n'avait pas de green socket. J'y avais pas vu. Donc, j'ai failli faire une erreur. C'est vrai que ça, c'est nouveau. Ça n'existe que depuis maintenant. Donc, vérifiez bien. Il n'a pas de socket vert. Donc, pour nous, ça aurait été horrible. Alors ici, tous les liens sont équipés, il a beaucoup de points de vie, il a une résistance et on peut lui remettre une résistance pour 15 KO, c'est pas mal. En full évasion, on va essayer. Donc faites attention, ouais. Ici, All Socket Link, on est bon. Il a des bonnes stats, 15 KO. Pour l'instant, le mec, il répond pas. Alors, vous allez voir, l'épisode peut durer plus ou moins longtemps, suivant si les personnes répondent vite ou pas. Alors, je vais lui redemander une deuxième fois au cas où. Le build des refs est toujours viable. Oui, bien sûr. Le mec ne répond pas. Ok. Dommage, c'était un très très bon torse.
Et on commence à perdre un petit peu en... You are captured, stupid beast. Bon, on va continuer. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre 1 en évasion max et 1 en armure max. Si je fais ça, j'aurai que des torses vraiment full évasion. On retrie par évasion. Enfin, on retrie par... Total Elemental Résistance. Celui-ci, il est OK. Je peux demander. Je crois que je lui ai déjà demandé à lui. Ah non, peut-être pas. 10 KO. Vous voyez, y en a quand même vraiment beaucoup d'intéressants. OK. Hop, on a notre torse à 10 KO. C'est pas le meilleur de tous ceux que j'ai wispé, mais il est quand même très bon. Merci beaucoup Azurox. Donc là, comme je l'ai dit, on attend. Il nous lance l'échange. On vérifie que c'est le bon torse. Évasion, beaucoup de points de vie, il a tout ce qu'il faut. Accepté. Pour 10 KO, on a un 6 Link avec de très bonnes stats. Parfait. On va essayer ici de mettre les bonnes couleurs. Donc c'est 3 verts. 3 verts, 2 bleus, 1 rouge. Alors ce qu'on peut faire ici. Remarquez. C'est ce site-là. Ce site-là. Severun.github.io/calc. C'est trop bien. On va mettre... le nombre de dextérité qu'on en a besoin, 134. 134 de dextérité, on veut 3 verts, 2 bleus, 1 rouge. Et la meilleure méthode pour avoir ces couleurs-là, c'est juste de mettre des chromatiques. Au bout de 49 chromatiques, on est censé avoir les bonnes couleurs. Hop, alors on a dit 3 verts, 2 bleus, 1 rouge. Mage, deux bleus. Deux bleus. Voilà. En beaucoup moins de chromatique que ce qu'on avait dit. Et je crois que le dernier skill qu'il nous faut là-dedans, c'est Add KO. Ouais. Addit KO, vous pouvez le récupérer maintenant. Pour retourner à Auriat, normalement. On n'a pas besoin de stats particulières, ça retorse comme une crise KO. Non, vraiment full défensif. Point de vie. Masse point de vie. Masse. Bah comme celui-ci, il est excellent celui-ci. Ouais, il a toutes les stats qu'on veut. Tu peux avoir de l'évasion en plus si tu le souhaites, mais c'est pas obligatoire. Vraiment, l'évasion, c'est une stat en plus. Plus vous allez avoir de vie et caper vos résistances, et mieux ce sera. On va parler à Lily, on va aller à la fin, je crois. Ah non, c'est ici. KO. Addit KO. Hop. Voilà, on a notre 6 Link pour 10 KO. Donc vraiment pas trop cher. Première pièce. Ensuite, la deuxième pièce que l'on veut, c'est les gants. Parce que les gants, il y a une statistique qui est rare et du coup, on ne sait pas quelle stat on va avoir. En fait, on va prendre les pièces d'équipement avec les stats. Les plus difficiles à récupérer. Comme ça, si on a un petit peu de raise ou des choses comme ça, bah c'est bien, mais sinon tant pis. Et ensuite, on adaptera les pièces d'équipement comme les anneaux, où il n'y a pas besoin de beaucoup de stats pour avoir les stats nécessaires. Ok. Donc ça, on est bon, on a tout fait, on va clear, hop, et on recommence. Avec les gems, ça change quelque chose. Elles sont juste plus puissantes que les gemmes normales. En parlant de ça, je crois que la Awakened Edit KO doit pas coûter cher, par exemple. Elle coûte 5 KO, vous voyez. Une grosse amélioration de puissance pour 5 KO. Pas gêné. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Ensuite, on va faire les gants. Alors, on va mettre Gloves. Et là, on va marquer Skills Strike. Non, c'est pas ça. Je
Non, marqué additionnel. Additionnel l'armée ennemie. Donc c'était strike skills plutôt. Je vous remettre. Hop, strike skills. Voilà, et c'est le premier. Additionnel l'armée ennemie. C'est la stat principale que vous voulez sur vos gants. Juste, on garde le prix. Un KO. De base, un KO. Ok. On veut qu'il y ait au moins. Au moins un peu de dex. Parce que sinon, ça va nous coûter trop cher. Trop cher en points d'attribut. Par exemple, des full force, il faut beaucoup, beaucoup de force et on ne pourra pas les avoir. Par exemple, des gants comme ça, 5 KO, c'est correct. Que nous, on va chercher. Alors. Le mieux pour nous, ce serait en plus de cette stat-là, ça serait le Chaos Damage Overtime Multiplier. On va regarder s'il y en a. C'est 20 KO. C'est 20 KO, ça me coûte beaucoup trop cher et en plus, il n'y a pas assez. Et j'ai pas de préfixe disponible. Ah, quoique. Non, j'ai pas de préfixe disponible pour mettre de la vie. Par exemple. Ouais, celles-ci, elles sont très bien. Vous voyez, 3 exhales, ça monte un peu trop. On s'en fout, du coup. On enlève le Chaos Damage Overtime Multiplier. Ça coûte trop cher pour nous. Ah, pourquoi moins 1 socket? J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, ça change rien. Tu vois, ça change rien, c'est les mêmes stats. On enlève cette stat-là. Et ce qu'on veut, c'est soit... Alors là, on va faire... Comme je vous l'ai dit. Ce qu'on veut ensuite, c'est de la vie. Donc c'est soit... On veut mettre un craft point de vie. Donc soit c'est count. Enfin, tout simplement. Count. 1. C'est-à-dire qu'on veut au moins une des deux stats. Soit de la vie, life. C'est combien la life sur la... La vie sur des gants, je crois que c'est 70. Gloves. Donc c'est soit... Ouais, c'est ça. On va mettre soit 65 de vie. Soit un petit préfixe. Ce qui veut dire que soit on a de la vie, soit on a la possibilité de mettre de la vie avec un craft. On va regarder ce qu'il y a maintenant. On a quoi? 5 KO. On monte à 10 KO ici. C'est dommage, il y a du Cold Damage Overtime Multiplier. On est encore à 10 KO. Ici, il y a un peu de résistance électrique. Si on peut choper... Voilà, 15 KO. Non, on va pas monter aussi cher. Il y a de la dextérité, pourcentage dex. Dextérité vous donne de la précision. Et de l'évasion. Mais ce qu'on va privilégier, c'est surtout un peu de résistance. Donc celles-ci à 10 KO, elles sont cool. Ici, il y a un peu de résistance. À 74 points de vie. Ici, à 74 points de vie et la possibilité de mettre un craft suffixe, donc la possibilité de mettre une résistance. Donc il y aura plus de points de vie que mon craft et en plus je peux mettre une résistance derrière. Il n'y a qu'un suffixe. Les résistances, c'est les suffixes. On va faire ça, je pense. 5 KO en plus. Pas cher. Donc vraiment, additional strike, c'est important. Sur les gants. C'est la seule stat importante dessus. Et ensuite, comme dame, survie. Mec, il répond pas. Je réessaye une deuxième fois. Et s'il répond pas, on va essayer de trouver une autre paire de gants. Un plus 50 de dextérité. Dommage, le physical de mes jeux Overtime Multiplier, je m'en fous. 50 de dex, ça apporte combien? Ça apporte 10% d'évasion et pas mal d'accuracy. Ça apporte 100 d'accuracy. Ah, mais celles-ci, elles sont corrompues, faire attention. Le fait qu'elles soient corrompues fait que ça sera plus compliqué de changer les couleurs.
Et en plus, on peut plus changer le craft ici. On va prendre celle-ci avec... Elle n'a pas des pures évasions, par hasard? On va prendre celle-ci, là, avec un peu de résistance lightning. Je pense, ouais. Ça, on aura besoin de moins de résistance lightning sur notre stuff. Hop, 10 KO. Ah, au fait aussi, je vais faire un truc, c'est que je vais me retirer 6 KO. C'est les 6 KO des armes. 3 KO unités. Je sais pas comment je dois le prendre, Minimoon, mais... Merci. Attends, je suis obligé de... Je suis obligé de screenshot ton message. Ok. Donc le mec est en haste, on va attendre. Ah. Mon chat appuie sur la touche plus. Lui. Ah bah je peux pas dézoomer ma map. Donc il est en haste, on va l'attendre un tout petit peu et on lui achètera son objet. Ça fait quoi la stat au juste? La stat que je viens de prendre là, celle-ci. Strike skills target one nearby enemy. Et regarde, Tribal Fury. Strike skills target one nearby enemy. Ça veut dire que tous les points que j'ai pris là, je les récupère pour les mettre ailleurs. Donc ça te fait économiser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de talent. Ce qui est énorme. On va commencer à faire une deuxième recherche du coup. On garde celle-ci au cas où le mec ne m'échange pas. Je vais dire ok quand même. Je vais commencer à chercher mon casque. Remarque. Ici. Helmet. On veut toujours de la dextérité. Et là, cette fois-ci, on veut de la vie. Ready. Ok. Je vais le rejoindre. Donc là, c'est spécial. Il est dans Rogue Arbor. Du coup, on va le rejoindre là-bas. Hop, 10 KO, l'additional strike et la lightning res. Parfait. Thanks. On va retourner ici, on va retourner dans l'hideout. Pareil pour Ancestral Cry. Non, Ancestral Cry, on l'aura... Je veux dire celui-ci? Non, on l'aura plus. On aura plus l'Enduring Cry. Mais c'était un truc bonus, c'était pas important pour le build. Ok. C'était juste que vu qu'on prenait autant de points pour aller ici, autant prendre celui-ci. Mais pour 10 points, ça vaut pas le coup, globalement. Ok. Du coup, on a nos gants. Sur ces gants-là, on peut lui mettre ce qu'on avait prévu. Hein. Il y a un préfixe libre. Donc on va lui mettre ici une résistance. Enfin, des points de vie. Hop, 70 points de vie. 58. On va retenter. 57. 61. 66. 66, c'est correct. Ça monte à 70 maximum. Ok, maintenant. On va prendre le casque, comme je vous ai dit. Donc, on était helmet, point de vie. On a mis un petit peu de dextérité. Ici, on va chercher de l'accuracy. Accuracy, envie, on va mettre 80, et ensuite, total, élémental, résistance. Bon déjà, je vais juste regarder c'est quoi la stat maximum de précision possible. Accuracy, donc je trie par accuracy et je regarde 481 pour le tir 1. On va prendre le tir 1, 481. Ah merde, 800, tu m'étonnes, 481.
Ok, ça commence. Ah bah regardez celui-ci. Il a 562 de précision. Il a 96 de points de vie. Un full évasion avec double résistance élémentaire. Je prends. C'est 10 KO, je crois. Dans ma recherche, elle était assez simple. Attends. Je vais acheter la pièce d'équipement. En plus, je l'ai, le mec il m'a répondu, donc c'est parfait. Il n'y a aucun. Si tu cumules les deux, du coup, ça fait deux strikes supplémentaires. Et le fait d'avoir deux strikes supplémentaires fait que tu vas toucher encore plus. Mais globalement, voilà, parfait. C'est le bon casque, c'est bon 10 KO. Et voilà. Comment dire? T'auras plus de clear, mais on s'en fout, on en a déjà assez largement. Juste un strike additionnel suffit largement pour le truc. Après, tu peux toujours te baser encore plus sur le fait de taper un nombre de cibles plus grand, mais comme je l'ai dit, pas besoin. Ok, vous avez vu ma recherche, j'ai mis au moins 80 points de vie, j'ai mis le minimum en précision, enfin le minimum du tier 1 de précision, donc le minimum de la stat maximum, et ensuite j'ai essayé d'avoir un petit peu de résistance élémentaire. Pareil, cette ligne-là, le total élémental résistance, c'est genre c'est une ligne que j'utilise quasiment tout le temps dans mes recherches. L'Anoid Tribal Fury est toujours possible. Tu peux, mais pareil, il n'y a pas d'utilité. Alors pour l'Anoid, pour ceux qui savent pas, c'est grâce à des huiles, l'Anoid Item, grâce à des huiles, vous pouvez mettre un point de talent sur votre amulette. Vous voyez ici, il y a trois emplacements. Ces trois emplacements-là correspondent à quand j'appuie sur Alt, ici, à correspondre à ces couleurs-là. Donc là, par exemple, pour une orange, une rouge et une jaune, récupérer le point de talent Bloodless. Mais globalement, pour nous, le meilleur point de talent, je trouve, pas offensivement, mais défensivement, c'est celui-ci, Constitution. Il coûte très cher à récupérer, et c'est 14% de points de vie, ainsi que plus 20 de vie. C'est beaucoup trop bien. Du coup, si vous avez Tribal Fury, vous n'avez pas besoin d'avoir l'additionnel target sur les gants. Après, il ne coûte pas si cher que ça, vous avez vu. Ok. Maintenant, il va nous falloir. Donc, on peut retirer ce qui. On va changer. Hop, ça on garde, ça on garde, ça on garde, ça. Ok. Donc là, on voit qu'il nous manque des statistiques. Notamment de l'intelligence. Il nous en manque même peut-être beaucoup. Là, on voit 63 d'intelligence qui nous manque. Et même si je fais ça, il manque 93. Donc l'intelligence sera importante pour le build. On va prendre l'amulette maintenant. On va clear. Regarde, j'avais fait un petit topo, mais j'ai pris torse, gants, casque. Ouais, amulette ou ceinture, ça sera dans pas grave l'ordre. Clear. Les braquages sont pas un peu plus. Ça, c'est les questions où les viewers veulent qu'on dise la même chose qu'eux. Je voulais la question, c'est Hello, tu la trouves comment cette ligue? Les braquages sont pas un peu puants? En mode, eh, t'en penses quoi de ça? C'est pas un peu de la merde quand même? Hein? Dis comme moi, c'est pas vraiment nul? Non, non, la ligue est cool. Désolé. Amulette. Hop. On va prendre de la vie. En termes de points de vie. Alors, le rang max, c'est le rang 80. C'est de 80 à 89. Nous, on va mettre 70, parce qu'on va chercher une stat qui est assez compliquée à récupérer, qui est le Chaos Damage Overtime Multiplier, cette stat-là. Si je me trompe pas, c'est elle. Hop! De la vie et cette stat. Alors, on va le faire 13 minimum, pour avoir le tier 1. Ah! Là, il y a un peu de budget. Ok. On va baisser un peu. On va mettre 60 points de vie.
30 KO toujours. Ah, ça fait mal. Est-ce qu'on pourrait pas, du coup, tant pis, on va baisser un peu notre puissance. Que j'aime pas trop sacrifier la vie. Donc on va sacrifier les dégâts. Non, mais j'entends pas mal de gens s'en plaindre. Ouais, mais c'est tout. Les gens, ils se plaignent s'ils veulent. Hein. De toute façon, chaque ligue, il y aura des gens pour se plaindre. Dis-toi ça. Il y a toujours des gens qui se plaignent de tout. Ok. Ah. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Alors, celle-ci, elle était pas trop mal. Vous avez vu beaucoup de points de vie, des résistances. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'attribut. En fait, l'implicite, c'est une chorale amulette. Et la chorale amulette, c'est un peu nul. On va pas récupérer d'intelligence dessus. Quoique. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'avoir une bonne amulette. Avec le Chaos Damage Overtime. Alors, on va essayer autre chose. On essaye plusieurs techniques pour essayer d'avoir notre objet. Là, maintenant, je vais regarder. Alors, j'aime pas faire ça, mais. On va aller jusqu'à 55. 50. Ça reste cher. On va faire autre chose. On va essayer d'avoir un préfixe de libre ici. Préfixe. Un petit préfixe. Bon, globalement, à chaque fois, j'essaye de. J'essaye de trouver quelque chose pour nous aider. Donc voilà. Là, il y a un petit préfixe, c'est-à-dire que je peux mettre de la vie dessus. Je peux mettre un craft point de vie. Et là, en plus de la craft point de vie, il y a quoi? On a un plus 30 du All Attribute. On a le Chaos Damage Overtime Multiplier. Pas mal, hein. Ah oui. Et là, en fait, on est quand même sur des amulettes qui coûtent rien du tout. Et nous, on veut de l'intel. On veut de l'intelligence. On va marquer intel. Total intelligence. Je mets 50 pour voir. 5. Ouais. Allez, elle est pas si mal. Il y a le Chaos Damage Overtime Multiplier. Il y a un add physique. Add physique, c'est pas si mal pour nous. Il y a un 51 d'intel. Et derrière, on peut remettre un peu de points de vie. C'est juste que l'implicite est nul. La régène vie est nulle. Mais les stats sont plutôt fortes en fait. Non, il y a celui-ci qui donne de la dextérité et de l'intel, Chaos Damage Overtime. Mais elle coûte beaucoup plus cher. Ici. Ici, c'est 15 KO. Est-ce qu'on prend 15 KO? On a encore pas mal de KO là. On a encore pas mal d'objets à acheter. 30, 40. Je pense qu'on va prendre celui-ci. On a un peu de résistance feu en plus. Allez, on va prendre celui-ci, 15 KO. On va essayer. Un peu cher, mais. Bon, ça va. Les stats sont quand même plutôt bien. Alors, qui c'est? C'est lui. Je remercie à mes points. Non, j'ai vu. Peut-être pas. Ok, donc l'amulette. Donc, point de vie. Si on veut, si on peut, point de vie plus dégâts sur le temps. KO. Voilà. Plus de l'attribut. Comme ici, de l'intel. Surtout de l'intel qu'on a vraiment besoin de beaucoup. Plus de la force si on peut après. J'aime pas faire ce que je fais, mais vu qu'on a un budget illimité, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire de prendre des craft points de vie. Genre là, j'ai craft points de vie, ici j'ai craft points de vie. Mais si on veut de.
Là, je vous montre aussi en même temps le fait d'avoir des stats offensives. Là, hop. 44, 44, 51. On peut avoir un peu plus. 53. Donc, il nous manque encore un peu d'intel, surtout si je fais ça. C'est-à-dire qu'il nous faudra encore un anneau. Et on va retirer ça. Il nous refait encore un anneau avec de l'intelligence minimum. On va essayer. J'aurais pu essayer de marchander. On peut toujours essayer de marchander, c'est sûr. Ah, ce que je peux faire également. Déjà, c'est refund les points qu'il y a ici. Voilà. Donc déjà un peu plus de force. Et là, normalement, je suis censé prendre ce point-là. Hop là. Donc il manque 31 d'intel ici. Au niveau des points de talent, qu'est-ce que je peux faire? On peut aller là. Non, je prends la cuirassie. Et après, et là. Au niveau des stats, 31-31. Ça marche. On a pris l'amulette, maintenant on va prendre la ceinture. Belt. Sur la belt, je vais pouvoir récupérer de la force. Pas ici. On va clear, hein, comme toujours. Clear. Belt. Alors. Il n'y a que deux sortes de. Pour l'instant, il n'y a que deux sortes de ceintures que je veux. On va faire count. On veut soit de la force. Donc, c'est les heavy belts. Pense. On va le mettre en implicite. On va tout en bas, implicite. Comme je vous ai dit, l'implicite, c'est cette stat qu'il y a là. Au-dessus, là, les 34 de vie. Ou alors. On veut la vie. Les Ah non, je suis bête. Life, tout simplement. Maximum life. On va tout en bas, comme ici, et on va prendre implicite également. Donc là, on aura soit de la vie, soit de la force sur notre ceinture en implicite. Donc ce sera soit une laser belt, soit une heavy belt. Ensuite, on veut quoi? On veut de la vie. Vers 80 points de vie minimum. Et ensuite, total. Elemental résistance. Au niveau de la force, ici on va mettre ce qu'on veut de la force, total strength, et en force on veut au moins 31. Ah, comment dire? Pense qu'il va falloir faire un count encore. On veut soit. Non, je pense qu'on va juste mettre. Voilà, 31 de force. On veut au moins 31 de force. Ah non, ça va pas le faire. Je vais refaire ce que je voulais faire. En fait, l'implicite de la ceinture peut monter jusqu'à 35, si je ne me trompe pas. Donc on va faire soit strength en implicite, soit la stat force 31. Voilà. 31 minimum de force, ou alors ce truc-là. Ok, donc on a dit 80 points de vie. On va mettre 10K au max. Et ensuite, on va trier par total et mental résistance. Alors, il y a des trucs qui vont pas là. Ah, j'ai oublié de mettre minimum 1, minimum 1. Soit des heavy belts. Soit des. Des laser belts. Voilà, ça monte jusqu'à 35. Donc ici. On a quoi? On a 96. On a 96 de points de vie. Et on a pas mal de res. Un peu plus équilibré. Alors on va regarder au niveau de nos résistances, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un peu de tout, mais surtout feu et lightning. Un peu plus haut que le reste.
Ça change pas grand chose. On va prendre celle-ci si on peut. 10 KO, elle est pas trop mal. Une stat qu'on s'en fout, ça on peut la changer pour lui donner 35 de 35 de force. Dit KO. Merde. Vous pouvez cliquer aussi sur son petit rond bleu là. Ok, c'est la bonne ceinture. On vérifie toujours que c'est le bon objet. Hein. Ensuite, on part. Ouais, il est parti à l'idée où j'ai vu. Alors, pour ça, on va mettre une Blessed Orb. On veut 35. Parfait. La résistance cold, pour l'instant, je vais l'enlever de l'objet. Mais on va pouvoir le rajouter. Donc, je vais l'enlever et remove. Je vais enlever le craft. Je l'enlève pour, en fait, essayer d'être capé avec le moins de stats possible. Comme ça, après, je peux adapter mes résistances aux besoins. Donc là, pareil. Là, je peux mettre un craft sur ce casque. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un level de strike range. Ceux qui aiment. Alors, j'avais soit ça, soit je pourrais lui rajouter un peu d'évasion. On va rajouter. Ouais, vraiment de strike range, je suis pas sûr. Ce qui est mieux entre 80 d'évasion ou le 74% d'évasion de 380. On va calculer. Alors, 380 fois 1,74. Non, fois. Au contraire, fois 0. Ça fait 130. Du coup, je pense que ça, c'est mieux. On va lui donner de l'évasion en plus. Et ceux qui veulent du strike range, là, qui m'ont dit, ouais, on perd du strike range avec le truc. Bah, si vous voulez, vous pouvez prendre ça. Ça suffira pour le moment. On est bon là-dessus. Et du coup, il nous manque encore de l'intelligence. Alors, on peut faire baisser encore l'intelligence. Donc là, l'implicite est à 14. On va changer l'implicite. On va le mettre à 16. Voilà. Donc il nous manque 29 d'intelligence. Mais après, j'ai des gemmes qui sont pas encore maxées. Genre celle-ci, elle est que level 15. Si je veux la monter plus haut, il me faudra plus d'intel. Donc si j'ai plus, c'est pas grave. Maintenant, on va prendre les bottes. Alors il me reste combien? Il me reste 37 KO. Petite question, j'ai réussi à craft deux dagues endgame, deux claws endgame, du coup je me pose la question, j'ai craft dessus le damage over time, car il me restait un préfixe de libre. Est-ce que l'increase damage est plus worse? Ce que tu peux mettre, ce qui est vraiment cool, c'est de mettre un des crafts qui existent avec le syndicat, qui est le fait de pourcentage physique et blind. Blind. Ah, ça existe encore. Et pas un pourcentage physique et blind. Ah, ça n'existe peut-être plus. Ah, dommage. Si ça n'existe plus, en fait, le mieux, c'est de regarder sur Path of Building. Tu effaces une ligne et tu mets une nouvelle ligne.
Genre tu mets l'augmentation de dégâts physiques à la place de ton dégât sur le temps. Peut-être les links, ça changera rien pour moi, mais je comprends ce que tu as fait. On va prendre les bottes maintenant. Il a peut-être pas débloqué, mais elle est censée s'afficher quand même, c'est pour ça que c'est bizarre. Qu'est-ce que je faisais? Ah oui, maintenant on va faire les bottes. Boots. Quels sont les meilleurs joyaux de ramification? C'est quoi un joyau de... C'est les clusters? Ramification? J'ai un... Regarde le pass of... Enfin, le... Dans la description de mes vidéos, j'en ai un. J'ai dans mon POB, j'ai une version spéciale cluster GOL, où il y a quasiment les meilleurs. Le craft existe toujours, blind plus physique. Bah, blind plus physique, c'est cool, parce qu'en plus de t'apporter des dégâts, t'as blind les ennemis, qui font que bah, t'es plus heureux, t'as plus de survie. Donc là, pareil, si on peut, on voudrait... Faster poison. Si on marque poison. On marque faster. Alors, le poison faster, voilà celui-ci. Poison du inflict deal... pourcentage faster damage. Donc là, c'est pour augmenter le dégât. Ok, de base, ça coûte pas si cher que ça. Si on rajoute... On veut de la dextérité. Ok, il y en a avec un peu de dextérité. Si je rajoute, je veux au moins 80 points de vie. Life. 80 points de vie. C'est toujours bon. Maintenant... On va se limiter à 10 KO. Ça, j'ai 30 KO en tout. Même 37, on va dire 10 KO par pièce. On va se limiter à 10 KO. On va faire Total Elemental Res. Comme toujours, cette ligne-là, pour augmenter un peu nos résistances. Ok. On a des bottes. Après, c'est le tiers 2. Je mets 8. Je pense que j'en aurais plus à 8. J'en ai 2. J'en ai 2. Il y en a une à 9 KO avec en plus une résistance et en plus le fait de pouvoir crafter. Elles sont très bien celles-ci. 84 points de vie, une res. Poison, you inflict deal à 9% faster. 9% faster. Mais moi j'ai tendance, quand je parle franglais, tendance à dire les chiffres en français. 9 KO, parfait. Très belle botte, ça. Neuf KO, belle botte. On prend. Parfait. Ton badass, ça y est, avec plaisir. Ok, on a quasiment tout le stuff. Et maintenant, il nous reste plus que nos anneaux. Donc les anneaux, on va regarder ici en offense. En chance de toucher, on est à 98%. Alors il nous faudrait un autre anneau avec de la précision. Je pense que ça suffira. Un autre anneau avec de la précision de la vie, de base. Et ensuite, il faut combler mes résistances élémentaires également. Il nous manque beaucoup de colle. Pire. Et ring. Non, c'est ici. Catégorie. Et ring. On voudrait un anneau avec de la vie. Donc là, par contre, on va pas négliger la vie. 70 points de vie. Avec. Alors. On va faire vie. On va faire. Total Elemental Résistance. Et on va faire. On va faire encore un. On veut soit deux stats. On va faire soit on veut la cuirassie, soit on veut la précision. La cuirassie. Soit on veut de l'intelligence. Et on a dit. C'est combien d'intel qu'on veut? Ici, marqué 29 d'intel minimum.
Et ensuite, on va mettre. On a combien de KO? On a 18. Non, on a 28 KO. Ok. Du coup, c'est. Combien on va mettre? On met ici, hop, 4. On va mettre 14 KO maximum. Ouais. Et par résistance. Fire, Cold, Cold et Lightning. Très bel anneau là. Très très bel anneau. Pour 7 KO, il est incroyable. On le prend. Ah oui! Et en plus, le mieux c'est d'avoir un préfixe de libre. Je voulais. Putain, j'avais oublié. Le mieux, c'est d'avoir un préfixe de libre, et lui, il a un préfixe de libre. Donc, parfait. 7 KO, putain, si on a celui-ci, il est énorme. Allez, réponds-moi, petit. Tu vas faire un build à plus de 100 KO, merci. C'est sur mes... Pour ceux qui veulent voir le stuff... Ok... sur le dans la description, la version cluster est une version à très haut budget. Que ça intéresse. On va copier ce lien, on va le mettre ici. Donc il nous faut ce mec là, il nous faut celui-ci. Donc, je vais changer un truc, enfin, je vais rajouter un truc, on veut un empty préfixe. Empty préfixe. Ah, voilà. Donc là, on n'a plus besoin d'un tel, on va prendre l'accuracy. Enfin, je sais plus combien c'est l'accuracy. Ouais, je vais faire ça. On a besoin. Et je trip par accuracy. Et ça va de combien à combien? Non, c'est ça que je veux. 351. 351. Un petit préfixe. Et on va trier par le plus. On a un peu plus de KO là. On a combien? On est 28. Ah non. C'est 9 KO le mec. 7 KO. On va quand même garder un peu de KO. On va pas changer. On va mettre 14 ici. Précision. Tout est bon. Je remets la recherche. Y a pas beaucoup de résistance ici. Ah oui, mais il aurait. Il me faut son anneau avant. Il va falloir que j'attende parce qu'il me faut son anneau pour voir les résistances que j'ai à la fin pour pouvoir adapter mes dernières résistances. On aura peut-être besoin de plus avec le level des gemmes. Combien? Awakened. Chaos Damage. 129. 126 au niveau 5. Et ça, c'est combien? 113. On aura peut-être besoin d'un peu plus, t'as raison. Déjà, j'ai 37. Donc là, il me faudrait 126. Déjà, c'est une bonne, c'est un bon truc. On va voir après. Il me faut. Il me faut son anneau là. 7 KO, il est trop bien. Il y a plein d'anneaux qui seront cool après. Ce que je vois. Pour l'instant, on va l'attendre. On va l'attendre. Alors, on va
Bah, déjà, on va mettre de la résiste. On va mettre de la qualité sur le casque pour augmenter l'évasion. On va mettre la qualité sur le torse également. Sur les bottes. C'est 7 KO, hein. Ouais. Très bel anneau. Vraiment content. Thank you. Alors, pourquoi je voulais garder des KO? Enfin, pourquoi je voulais un préfixe de libre? Je vais vous le faire voir tout de suite. Il y a une statistique offensive qui est très très forte sur le build. Celle-ci. At KO. Pour 2 KO. At KO, bim. Ça, c'est très très fort. Ok. Donc, on est à 135 d'intelligence. Et le Hadith KO, on a dit 126. Donc, même le Awakened Hadith KO, au niveau max, c'est bon. Awakened Unbound. Bon, c'est un hybride, donc c'est bon. On est bien, on est bien. Et maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste l'anneau ici. Alors, on va regarder au niveau de nos résistances élémentaires. On est quasiment capé. On est quasiment capé partout, alors que on a encore des trucs possibles. Donc là, par exemple, sur quoi? Ah, si on est capé. Après, il y a un truc. Il y a un truc, c'est que dans le build que je vous conseille, j'utilise un item qui s'appelle le Thread of Hope. Obligé de l'avoir au début. Le Thread of Hope, faire attention, parce que. Ici, il faut mettre Very Large. Voilà. Donc ça vaut 10 KO. Pour l'instant, on va pas le prendre. Mais il faut savoir que le Thread of Hope te fait perdre des résistances élémentaires. Donc être un peu plus haut, c'est pas négligeable, on va dire. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une double raise. Enfin, pas ici. Et on va faire une double raise. Donc, qu'est-ce qui nous manque le plus? Surtout du cold et du lightning. Cold et lightning. On va pas mettre le plus haut pour le moment. On va économiser nos KO. Voilà. Et il nous faudrait. Bah, si on peut, un peu de lightning. Mais globalement, on est très bien là. On est très bien. Du coup, au niveau de ces bottes, est-ce que j'ai les hybrides ou pas encore? J'ai pas encore débloqué les hybrides, mais je pourrais prendre par exemple de la vie et de l'évasion pour augmenter encore plus la vie. Pétrissement, level 140, c'est 146 d'intel. C'est pas grave s'il est pas au max. C'est vraiment pas grave. Bon bah, on va prendre un anneau. De toute façon, on est déjà capé. 70 points de vie minimum. Un anti préfixe. Maximum d'accuracy. Et de la résistance en plus, bonus. Pourquoi pas. Si on a vu qu'on pouvait prendre de l'intel. On a vu qu'on pouvait prendre beaucoup de choses. Et on a combien? 20 KO, je crois. On vérifie. 19. Si je rajoute les 2 KO d'ici, on va mettre 17. Lui, il est pas mal. Il a de la double res, il a du all res ici. Il a pas mal de points de vie et derrière un petit préfixe. Allez, on va faire ça.
3 KO, putain, on est bien. Peau d'acier. Quoi, peau d'acier? Fortify? Mais vous savez qu'il y a des gemmes, surtout dans les setups. Dans les setups secondaires où on s'en fout un peu que ça soit niveau max, hein, ça va quasiment pas vous apporter de dégâts. Ok, alors là on est large de chez large. En résistance. Tant mieux. J'ai peut-être même assez d'argent pour acheter le Thread of Hope. Steel skin? Ok. Pas grave s'il est pas au niveau max. C'est le au maximum que vous pouvez, mais. On va faire ça. Adid. KO. KO. Voilà. Et il nous reste 14 KO. On peut acheter le Thread of Hope que j'ai dit tout à l'heure. Le 17% est à 10 KO. En fait, on peut changer le pourcentage, bien sûr. Le 10%, vous voyez qu'il a 45 KO et coûte beaucoup plus cher. Le 17 KO, 8 KO ici. 17%, 8 KO. On va l'acheter. Parfait. Il vient de l'avoir, il vient de finir. Ok. Bon, on va faire un petit truc du coup, je vais vous faire voir les choses. T'as un 13% à 10 KO. Bah, tant pis. On va faire des petits trucs. On va retirer pour l'instant du coup les points qui sont là. Hop. On va prendre les points qui sont là. J'ai pas vérifié que c'était un very large, si c'est bon. On met ça là. Et là maintenant on va pouvoir prendre des points qui sont très forts. Comme ici, 8% de points de vie. Oh, je peux pas le prendre. Ah, je les ai pas retirés. Ah, c'est parce que, ok. Il manque encore des points. Tant pis. Au moins, on va augmenter un peu notre survie. Hop, on les prendra plus tard. Alors, on peut prendre ce point-là, 8% de points de vie. On peut prendre celui-ci, 8% de points de vie. On peut prendre celui-ci, qui fait que le poison s'inflige plus rapidement. C'est très très bien. On peut prendre celui-ci aussi, 4%. Celui-ci, Swift Venom, je crois. Damage over time for poison, ouais. Je sais pas si celui-ci vaut le coup. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Et si on a pris celui-là, ouais, okay. Mais vous voyez, le Thread of Hope vous permet de prendre des points de talent que vous n'étiez pas censé pouvoir prendre. Comme ici, sans faire le trajet en fait. Là, on n'a pas fait le trajet, on a réussi à récupérer les points. Increase movement speed sur les bots. Non, et j'ai expliqué pourquoi. Est-ce que quelqu'un peut lui réexpliquer? Ça, c'était mon ancien stuff. On va le mettre là en souvenir. Les gemmes, on va les garder parce qu'on va les réutiliser. Hop là. Il se déplace avec Willing Blade. C'est ça. Je me déplace avec Willing Blade. Qui permet à ce que j'ai pas besoin de vitesse de déplacement sur mes bots. Et du coup, ça fait qu'on a des lignes. On a une ligne en plus à peu ignorer. Alors que c'est une ligne qui coûte cher. Sur un build où on a deux armes très rapides et on se déplace que avec le skill de déplacement, on n'a pas besoin de vitesse. Du coup, voilà pour le tout premier stuff de notre perso. Donc, budget 100 KO. Prochaine vidéo, on fera tous les setups de gemmes pour vous montrer. Donc, ça sera peut-être une série de vidéos. Ça sera peut-être un peu plus rapide. Mais en plus de ça, on fera un petit peu de gameplay pour vous faire voir les choses. Quand on Willing Blade, t'as 0 de mana. Il est pas à 0 de mana, il est à 23 de mana, mais je dois avoir peut-être. Je sais pas pourquoi, ma mana. Ah oui, je sais pourquoi. Il est lié avec Blood Magic. Du coup, c'est ma vie que je perds ici. Il me permet de pouvoir enchaîner même avec très peu de mana.
Voilà. Voilà les gens. Je vais répéter un petit peu. Point de vie résistant sur le torse, ça a été notre premier objet qu'on a acheté. Ensuite, on a l'additional strike sur les gants qu'on a récupéré avec de la vie des res, toujours vie res. Si on avait pu. Attends, je vérifie aussi si nos res sont bons. Ouais. Si on avait pu, on aurait pu récupérer l'augmentation de dégâts sur le temps du chaos. Ça coûtait un peu trop cher. C'était pas dans notre budget, donc on l'a pas pris. Sur le casque, on a pris beaucoup de précision avec de la vie et des res, comme d'habitude. Ici, sur les bottes, on a pris des dégâts enfin, les poisons s'infligent plus rapidement avec toujours de la vie et des res. Ici, on pourra mettre avec le syndicat un craft hybride point de vie plus évasion. Ce sera plutôt cool. Au niveau de l'amulette, dégâts sur le temps. On n'a pas pris le tier 1 parce qu'on a vu que ça coûtait trop cher pour notre budget, donc on a le tier 2, donc améliorable. Pareil, on n'a pas trouvé avec un bon taux de points de vie, mais le mieux serait avec 80 points de vie. On n'a pas eu, enfin 80 ou plus, on n'a pas eu. Et résistance, beaucoup d'intel et du all attribute, donc l'intel qui est important pour le build. Ensuite, je n'ai pas parlé de la ceinture, on a essayé de récupérer, bah pour moi il manquait 35 de force, donc on l'a récupéré ici. Alors pour vous, il vous manquera peut-être un peu plus de force parce que il vous faudra peut-être. Parce que ici j'ai du all attribute. Donc ça m'a donné un peu plus de force là. Mais si j'avais besoin de plus de force à la place de la double résistance Cold and Lightning, je peux toujours faire, je pense, si j'enlève 15, ça me suffit. Je peux mettre de la force en plus. Voilà, on aurait pu mettre de la force. Ici, on a point de vie intel. Point de vie intel de la résistance avec un préfixe de lit pour mettre le add KO. Et pareil ici, point de vie accuracy des résistances, un préfixe de libre pour mettre add KO. Je viens de remarquer aussi que cet anneau-là ne possède pas le roll max en résistance qui est 16. Voilà. Et puis voilà, si on veut peut-être le faire. Ouais, j'ai normalement. Même si je m'enlève de la résistance 3 et Lightning, je suis toujours capé. Donc à la place des résistances, vous voyez, je peux mettre plein d'autres trucs. Je pourrais mettre l'augmentation de dégâts si je le veux. Même si c'est pas incroyable. On peut mettre de la force ici. La force qui va me donner des points de vie supplémentaires. Voilà. Tu mets des huiles sur l'amulette? Pour l'instant, c'est pas dans mon budget. Mais si je devais mettre une huile, ça serait celle-ci. Donc ça serait deux golden et une silver qui me permettrait d'avoir constitution. Donc si vous voulez que je vous fasse voir mon autre perso, qui a eu un peu plus de budget dessus. Donc ça sera à peu près les mêmes stats, hein, mais en plus haut. Genre ici, bah pareil. Strike additionnel, sauf que là, j'ai en plus le Chaos Damage Overtime Multiplier avec un craft point de vie. Ici, bah pareil, j'ai point de vie, résistance, sauf que j'ai mis de la force en plus en. Bah pas, en fait, c'est quasiment la même. Sauf que je l'ai pas mis sur une laser belt, enfin sur une heavy belt, mais sur une laser belt avec des points de vie. Ici, point de vie, sauf qu'il y a un peu plus de points de vie que la mienne avec les dégâts du poison. Donc, limite, celles qu'on vient d'avoir sont peut-être un peu mieux. Le torse, point de vie triple res, exactement pareil. Ici, elle est beaucoup mieux. Par contre, celle-ci, c'est point de vie, de la précision, des dégâts sur le temps, de la résistance KO. Donc en plus, si on est de la résistance, et le craft. Le craft Chaos Damage to Attack. Nous, on n'a pas pu mettre le craft parce qu'on a dû mettre le craft point de vie. Et si on avait eu des points de vie, on aurait pu mettre le craft comme ça. Celle-là. Celle-ci, elle est quasiment parfaite d'amulette. Après, les deux armes et le casque, pareil, avec de la précision. Au niveau des anneaux, un anneau intel et un anneau accuracy. Enfin, en fait, lui, il est intel, accuracy et points de vie. C'est juste que j'ai pris beaucoup trop d'accuracy. Donc là, j'ai de l'accuracy, là, j'ai de l'accuracy, là aussi. Je suis overcapé de fou, je m'en suis rendu compte plus tard. C'est pour ça qu'ici, j'ai pas fait l'erreur. Je vous ai pas dit d'avoir de l'accuracy partout.
Donc après, les achats qu'il faudra faire, c'est la potion Witchfire Brew et Coralito Signature, qui augmentera pas mal vos dégâts, mais ça on verra un peu plus tard. Oh. Bah, pour finir, on peut parler du setup de gemme. Je vais parler du setup de gemme que j'ai sur ce personnage-là. J'ai un Caswen Damage Taken. Ça fait combien? 1h05. On va aller vite du coup. Caswen Damage Taken avec Steel Skin. Quand vous allez prendre des dégâts, vous allez vous mettre un bouclier. Derrière, j'ai Lightning Golem. Donc c'est un golem qui va s'invoquer tout seul quand vous allez prendre vos dégâts. Et Killing Strike. Killing Strike fait que votre golem, quand il va taper, si la cible a moins de 10% de points de vie, elle va mourir instantanément. Donc c'est très bien sur des boss comme Cyrus ou ce genre de choses. Ici j'ai quoi? Malevolence avec Herald of Agony, lié avec Enlighten. Ah, ça c'est pour un setup que j'utilise plus aussi. Compliqué. Donc Enlighten, vous allez voir ici. Surtout au niveau 4, ça vous permet de réduire beaucoup la mana réservée. Et en fait, ce setup-là me permettait de pouvoir mettre l'aspect de l'araignée, aspect of spider en plus. Donc là, je l'ai plus, mais normalement, je suis censé avoir l'aspect of spider en plus de tout ça. Je rajouterai certainement un jour sur le setup. Pas obligé d'enlighten au début, mais au moins, Herald of Agony, Malevolence. J'ai rajouté Portail également. Donc portail, c'est une gemme qui va vous permettre de faire un portail. Sur le torse, bah, toujours le même setup. C'est ouf. Viper Strike, mais Awakened, mais les splash. Comme mais les splash, mais en mieux. Vile Toxine, Addit Chaos, Deadly Ailment et Unbound Ailment. Donc ça, c'est le même setup que je vous ai montré juste avant, mais avec des versions Awakened pour faire plus de dégâts. Ensuite, on a Spell Totem, Multiple Totem, Wither. Petit totem de Wither. Fortify, Willing Blade, Faster Attack. Donc, soit avec Fortify, soit avec Blood Magic. Donc là, j'utilise ma mana. Blood Magic permettrait d'utiliser ma vie. Et ensuite, Blood Rage, Dash. Avec Second Wind. Et Enhance. Bon, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais globalement, ce que ça sert, je vais vous faire voir, c'est que mon dash est assez grand en fait. Bon, j'ai une version différente du dash qui permet de sauter plus loin. Donc par rapport à vous, du coup, j'ai pas grand-chose de différent. On se déplace, on met les totems pour faire plus de dégâts mono. On peut mettre le Blood Rage aussi, j'ai le Blood Rage sur cette version. Et là, globalement, ce qu'on a acheté et celui-ci, il y a un petit peu de différence sur certaines pièces d'équipement, mais il y a des pièces d'équipement qu'on a achetées qui sont même mieux que celles-ci, notamment les bottes, je pense. Voilà. Voilà pour cet épisode. Donc, on a vu l'achat de tout le stuff pour 100 KO. Même s'il nous restera peut-être les potions, mais les premiers rangs des potions ne coûtent pas trop cher. Et puis, la prochaine vidéo, du coup, on va commencer l'Atlas et vous donner des astuces pour comment bien progresser dans l'Atlas. Voilà. Y a-t-il un mot de la fin pour finir cette série? Pour finir cette vidéo, en tout cas. La série n'est pas finie, mais la vidéo. Et aussi, j'ai pas précisé, mais là. J'ai mis, comme je vous l'ai dit, la constitution sur mon amulette qui me permet d'avoir ce point de talent qui est là. Alors. Mot de la fin, c'est monstre. Ah bah le monstre est là. Regardez. Hop. Sacré monstre. Et pour la horde. Bon allez sur ce, ciao tout le monde!